Premièrement, ma vie en situation, parce que moi, j'ai un frère et qui a vécu Saint-Domingue, côté que j'ai un parent et qui dans la rue avec des petits mondes qui a bas âge, peut-être qui est 43 ans comme ça. Et puis, agent immigration, au grand parent, pendant qu'il était des petits mondes dans la rue. Ça a été même contre Simdarabdi, révolté, même Dominicain qui tape sur Saint-Domingue. Donc maintenant, et situation li, vraiment délicate, j'en dis notamment sous Biden, on a regardé ce qui a passé à Wanamet, avec volume monde qui a venu aujourd'hui. Il faut vous dire que la ville de Biden, nous sommes capables de considérer comme un plan, mais comparément avec des villes qui ont même été capables de dire en termes de superficie de village. Donc, son côté, tout le monde connaît le monde. C'est-à-dire que Biden, il y a des bagages nous ne pouvons pas vivre. Tant qu'au Chinda, par exemple, Biden, ce n'est pas facile. C'est pas des photos de gens de monde dans la rue qui a pied court, qui a petit grand goût et qui a besoin pour barrer l'argent pour y aller manger. Et de voilà, nous venons trouver dans la situation ça, de monde qui l'a gué Biden, qui s'est et capable de dire qu'il soutient l'église dominicaine qui est venu déposer dans l'immigration pour venir mettre qui est dans la rue chaque jour et qui a checké porte et la caïmoune pour faire porte pour capable de demander pour capable de magistrat ONM pas une antenne Belader, est-ce qu'elle parle ONM pas existé dans Belader ONM ONM et alors oui, parce qu'il y a beaucoup de venir puisque c'est nous pour recevoir quand même. Oui, ça ne vient pas assez. Nous sommes capables, en termes d'accueil, au niveau des Béladéens, en termes d'accueil, donc, bon, nous voyons qu'il n'y a pas d'accueil pour le moment. Parce que ça ne vient pas assez. Non, est-ce qu'elle a existé? Est-ce qu'elle n'a pas existé ou dit? Est-ce qu'elle a existé déjà? Accueil, OLM, non? Oui, c'est que ça veut dire accueil qui était qu'on gagne auparavant. Mais pas nécessairement gagne, parce que les hauts déportés à Issé au Kounia là, par exemple, vous pouvez parler avec vous là. C'est moi-même, moi, j'étais sous la rue. Donc, ça veut dire que c'est, ou que ça n'a pas étonné que, ouais, minuit, il est 10h du matin, où on vole le monde, grand monde, jeune monde, petit monde, qui a décidé de chercher chez mes garlands. Okay. Or, espace garland, il est saturé déjà avec le monde. Donc, nous venons trouver dans une situation, côté que je dis là, où on vient en pile le monde, presque abdominal dans la rue Belader, qui vient. Et là, ils vont venir comme ça, ils vont assister avec moyen de transport pour y aller. Et je dis à l'aide, nous essayons de parler avec acteurs concernés, ONM, et OIM là, tout, et gars, je ne sais pas si c'est pas moyen pour t'aider. Voilà, nous allons trouver une situation où chaque jour, obligé de parler en pile, parce que nous n'avons pas qu'à jeunir un plat chaud pour fonctionner. Ça veut dire que c'est tout le monde de là-dedans qui est obligé à gérer une portion de monde dans la dimension qu'il est capable de faire. Et Mounsao, magistrat, les arrivés et Belader, là, pas forcément ces mounes en Naoé, qui sont capables de tout côté de la pays. Exactement, les arrivés Belader, oui, les arrivés Belader, non, pas facile, parce que je ne connais pas peut-être comment Dominique est arrivé faire ça. Parce que facilement, je ne connais pas si on questionne les mounes comme si dans une zone qui est sortie. Okay. Donc si il y a peut-être pas des mounes qu'on est sorti dans le nord-est, par exemple, donc, on ne peut pas voir trois voies montantes sous zone Wanamet. On ne peut plus voir ta cousse au Belader. Par exemple, je dis, même en cas de transport, on est récupéré comme si zone côté sorti, je viens de rendre très difficile. Par contre, on comprend. Et des fois, alors, c'est des mouns, peut-être, c'est des mouns qui n'ont pas arrêté, qui ont croisé dans la rue, qui n'ont pas tenu compte côté au sorti. Dominique, qui a blagué, n'a pas estimé qu'il a plus près pour eux, certainement. Comme ils connaissent ici et tout. Ils veulent la caillou. Excusez-moi, t'as combien de monde qui tourne au niveau des plateaux centrales là derrière, non? Okay. C'est monde qui sortit très loin, qui rejoignent. L'on dit très loin, qui sonne comme ça. Et malgré l'humiliation, mon rapport, où t'as saisi ouais, que des mondes à yo, au lieu que t'as pas l'argent pour retourner dans la zone, vous préférez d'accord, soit vous êtes Belader, vous retournez en République Dominicaine. Mais il y a plusieurs. On nous insister sur sa magistrat là, quoi, ou dit, ou elle n'aime pas exister dans Belader, c'est ça? Non, maintenant, pas gagner à cœur parce que tout le monde est dans la rue net. Okay, tout le monde est dans la rue net, calculo, des gens qui sont dans la rue. Pendant la dénoncé, des jeunes
Oui, pendant qu'on a dénoncé comportement dominicain, qui a traité moun yo, pas belle chance pour prendre ça au gain la caillou, yo veut retourner Jean yo arrêter yo, mais faut toujours souligner ça, ONM pas gain accueil Jean de Gobonner et pas gain accueil pour recevoir compatriotes yo, pas gain accueil pour recevoir compatriotes yo, les déportés. Mais qu'on a moment de ça, est-ce que c'est confirmé et commerçant et non Belader est fermé frontière là jodi a entre Elias Pinas avec Belader justement barrière et capable qui lié avec République dominicaine qui était rivé fermé jodi a parce que tu gagnais et un syndicat chez Sim Transbel qui n'a pas collé avec organisation qui est groupe Machonio c'est pour voir pour que tu es capable faire un match jodi a bien que Jean Machat a des fêtes là, va y rester constant, mais néanmoins, barrière là, t'es une rivière fermée. Donc, marché n'a pas fonctionné, je dis. Non, il n'a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné, je dis. Donc, Dominique, il est capable de dire, une fois qu'il y a une tension sur la frontière là, donc, il est même obligé de fermer barrière. On connaît tout, donc, barrière immédiatement, barrière dominicaine l'ouvre, ou mettez du Haïti, c'est dans la douane non entrée. Oui. Donc, on connaît tension qu'on existe au niveau de la douane. C'est des barrières qui sont capables de fermer au niveau par nous, ces barrières qui allaient dans la côte douane, qui créaient passage, là, et pour nous, nous allons. Donc, l'itérité est fermée, je dis, c'est avec tension qui était gagnée, je dis, sous frontière, là. Donc, qui est complètement paralysé et marché, et qui a été gagné entre Haïti avec la République dominicaine. Donc, nous sommes capables de presque sur toute zone. Et frontalier, donc côté que nous, que Haïti a voulu prendre décision suite avec ça qui a passé, à côté que ils ont vraiment reproché irresponsabilité d'avoir dit bon côté l'État central en termes d'accueil au niveau des mounio. Parce que moi-même qui a parlé avec vous là, étant que magistrat et Ismaël Valestin, donc c'est un vous comprenez que je suis tombé dans le monde, etc. Donc, au niveau de la mairie, parce que la mairie qui est dans la zone frontalière, c'est des mairies qui t'a doué au moins des capacités pour capable accueillir les gens. Parce que les gens ne sont pas dans la vie ou dans la mairie. Ils sont complètement dans la CAO. Et les constats sont dans la CAO ou obligés à faire. D'accord, vous prenez clair sur ce service. Nous, justement, de ça, oui, nous devons juste confirmer ça. Effectivement, je dis là, marché entre Elias Pinas et Belader n'a pas fonctionné. Et je dis là, et on dit, c'est l'association commerçant et zone 1 qui prend décision ça. C'est un signe de protestation par rapport au traitement haïtien absolument. Et en termes de solidarité, suivant donc ça qui a passé au niveau des pays dominicains, côté qui a maltraité les compatriotes haïtiens, de façon pour qu'il y a vraiment capable de dire bon que le pimpé et ben nous Haïti, donc sa condition capable. D'accord. Mais justement, de ça très rapidement, c'est pas la cas où ça t'est fait, mais son vice-délégué. Ou changer dossier ça, madame vice-déléguée, vous êtes arrêté dans Elias Pinas, et c'est ça. Dans quel niveau dossier ça est? Est-ce que vous êtes transféré, dame ça, à Haïti, par l'autorité Panouyo? Puisque vous êtes arrêté là avec plusieurs boîtes, cartouches dans machine. Dans quel niveau dossier ça est? Qui sort qu'on est délit? Bon, et au niveau des dossiers ça, moi-même également, c'est à travers les réseaux sociaux. Moi, t'apprends justement et ouais des images qui liées directement. Alors, nous connaissons, mais justement, est-ce que dame n'a toujours dans prison Saint-Domingue ou bien. Oui, c'est pour trois mois. Oh là. Pour 3 mois. Mais c'est beaucoup une décision capable de définitive qui prend. Mais peut-être c'est suite avec analyse qui est. Non. L'autre dit c'est pour 3 mois là en prison Saint-Domingue. Là, après 3 mois, tout barré fini? Non, pas vraiment. Donc, j'étais 3 mois préventif. Ouais. Okay. Donc, c'est pas encore fini parce que je dis à moi, t'as une chance pour me parler avec le délégué. Hein? Oui. Et pour me demander l'avancement du dossier, je dis donc, tout bagage sous contrôle de la justice dominicaine. Okay. Donc, en attendant que l'Apton qui s'est absorbé et puis, pour qu'on ait au final, et comment le dossier est libre à le gérer. Jusqu'à maintenant, et Mané Samulien, qui c'est madame du délégué. Hein? Est-ce que servant qui la caillou yo toujours sous contrôle la justice dominicaine dans le là okay. Mais et citoyen Manessa Milien te dit c'est lui-même qui va porter boîte cartouche yo est-ce que il reprend activité normalement dans Belader ou bien il est toujours en cavale? Oui, il est toujours en cavale puisque nous connaissons après DCPJ lui-même était sous sol était Belader, je sais pour être capable d'essayer et gagner contrôle quelques bagages. Donc jusqu'à maintenant nous capables de dire il n'est pas un monde qui nécessite jamais qui est en cavale parce que
c'est les mêmes justement que Mané Familier lui-même était cité dans le dossier là, donc déjà tout le monde était apprenu et il était dans l'émission tout, donc bien que les mêmes en parlant de M. Chilet, lui, il était où et j'étais bien loin. Oui. Donc comme quoi c'est devant l'accusation que Madame Manessa et Millier, qui c'est maman trois petites lits, ça va faire souligner dans le dossier. D'accord. Merci un pile, magistrat et Fed Junior Lacroix. Merci un pile. Je me pourrais remercier Ismaël Valesté. Merci à tout le monde qui t'a attendu. Nous, c'est un plaisir. Voilà. Nous t'avons parlé avec magistrat et Fed Junior Lacroix, magistrat et commune Belader, maire adjoint, commune, tu voulais, agent intérimaire, Pontitan, et dans commune Belader, zone frontière avec Elias Pinas. OK? Merci tout le monde qui était avec nous dans l'émission ça. Après, je vous dis, c'est lundi. Je vous dis, c'est lundi. 28 mai. Alors, moi, écrit avec lui, donc. Par rapport à Twitter, référence FM, qui est un journaliste qu'on a dirigé, et non charisma, eh bien, Majorie Michel démenti lui. Il démenti et il a empêché de monter la ligne aérienne. Ça. Ok? Il démenti ça. En tout cas. Eh bien, merci tout le monde. Demain soir. Émission sautant de là, c'est un...